J'étais en train de parler justement de la politesse. Donc, je vais donner un exemple pour illustrer ça. Jésus qui marchait dans Jérusalem, dans une ruelle, en allant avec ses apôtres, ils ont croisé un cochon sur leur route qui leur empêchait de passer. Et Jésus, qui parlait poliment, disait au cochon, rebrousse, repars en paix, tu nous empêches de passer. Les apôtres qui étaient là disent, oh, mais c'est un cochon, tu vas pas parler comme ça. Il dit, non, les choses que vous voulez que je dise, je ne peux pas les dire. Parce que ce qu'on a dans le cœur, on l'a sur la langue. Le cœur et la langue sont deux choses très liées. C'est très, très important. Le rappel de Dieu, c'est comme une fois, les anges, ils ont demandé à Dieu. Ils ont dit, oh Dieu, quand ils ont vu la terre, la création, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que les montagnes? Ils ont dit, il n'y a pas plus fort que ça. On a dit, si. On a dit, le fer. Le fer, c'est plus fort que les montagnes. Le fer, c'est plus fort que les montagnes. Ils ont dit, ah Seigneur, il n'y a pas plus fort que le fer. On a dit, si, il y a le feu, parce que le feu fait fondre le fer. On a dit, et les anges sont exclamés, ils ont dit, Subhanallah, gloire à Dieu. Et ils ont dit encore, il n'y a pas plus fort que le feu. On a dit, si, il y a l'eau, parce que l'eau éteint le feu. Subhanallah. Et les anges sont encore exclamés. Ils ont dit, il n'y a pas mieux que l'eau. Pas plus fort que l'eau sur terre. On a dit, si, il y a le vent, parce que le vent, il pousse l'eau. Subhanallah. Les anges, ils ont exclamé. Ils ont dit, il n'y a pas plus fort que le vent. Et on a dit, si, quand le fils d'Adam prononce une parole au nom de son Seigneur, c'est ça qu'il y a de plus fort sur terre. Une parole au nom de son Seigneur. Le fils d'Adam, c'est nous, la génération, les hommes, l'humanité. Quand on profère une parole de notre Seigneur, c'est plus fort que tout ce qu'il y a dans l'univers. Il faut jamais oublier ça. Notre bouche, c'est plus ça qui peut nous mener en enfer. Le prophète sallam a dit, celui qui me garantit l'usage de sa bouche et de ses parties, moi, je lui garantis le paradis. N'oubliez jamais ça. Assalamu alaikum. Bon, les coups, ça.